Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui. Le Nishmat Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak Vefani, ainsi que le Patara Baruch Shmuel, Ben Lea, et Lea Batelisheva, Betor Shar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine vidéo, Mishnah, contactez la Sainte Unité Éternelle. Nous étions Massachet Moed Katan, Père Gimel, Mishnah Bet, Veilo Mechabsin Bamoed, Abba Mimedina Tayam, Umi Bet Ashivia, Veyotse Mimbet Asurin, Vaminu de Chetirulo Chachamim, Umi Shenishal, Vechen Mishenishal Le Chacham Veutar, Mitpechot Ayadamim, Mitpechot Asaparim, Mitpechot Asfag. Vechol, une girsa qui dit Vazavin, Vazavot, Vanidot, Vayoldot, c'est le même principe. Vechol, Aolin, Mitouma, Letahora, Are, Elou, Moutarin, ou Charcoladam, Asourin. On avait introduit hier, dans la Mishnah précédente, l'interdit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed et les dérogations qui ont été données pour certaines personnes qui avaient la possibilité de le faire. Selon le même principe exactement, il y a un interdit de laver le linge à Chol HaMoed. Et des dérogations pour les personnes qui n'avaient pas les moyens, la possibilité de le faire avant Chol HaMoed. Soit d'avoir l'interdit, c'est le même principe que pour le couscous des cheveux, par souci que les gens entrent à Chol HaMoed pendant la fête avec des habits propres et qu'ils ne vont pas reporter à la semaine de Chol HaMoed, on a plus de temps libre pour pouvoir laver le linge. Ramenant décrété, tu ne laveras pas le linge pendant Chol HaMoed, tu le feras avant. Et si tu ne l'as pas fait avant, tu resteras avec des habits sales pendant la fête. Donc du coup, parmi les lourds préparatifs de chacune des fêtes, tu penseras à aussi laver ton linge. D'accord? Donc maintenant, Khamim ont décrété un interdit de laver le linge, mais aussi ont donné certaines dérogations pour ceux qui n'avaient pas la possibilité de laver le linge. En l'occurrence, le premier, c'est Abba Mimedina Tayam, celui qui vient de Chutz La'aretz. Attention, il n'était pas parti pour se promener. Je voulais le dire dans la mission précédente, il n'est pas parti pour se promener, il est parti parce qu'il avait un besoin, soit de Parnassa, soit pour étudier la Torah, soit pour marier une femme. C'est les trois raisons pour lesquelles, ou tout besoin qu'il avait pour faire un même, d'accord, du business. Il avait aussi le droit de le faire, mais par contre, s'il est parti en promenade, à l'étranger, il n'aura pas le droit de se couper les cheveux, une fois qu'il revient. D'accord? C'est ce président, le chef précédent dans le Bartanora. Abba Mimedina Tayam, donc celui qui vient de l'étranger, donc littéralement celui qui vient depuis un pays de la mer, parce qu'il est né de l'étranger avec des bateaux. Omi Bet Ashivia, celui qui sort de captivité. Yosemi Bet Asurim est celui qui va sortir de prison. Soit, on parle comme précédemment, une prison de juifs. On lui avait même permis de laver le linge là-bas pour qu'il soit propre à Chol HaMoed, mais lui n'avait pas le cœur. On lui permet, il n'y a pas de problème. Quand il sort, il aura le droit de laver son linge même pendant Chol HaMoed. Idem aussi va menoder chez Tirlo Chachamim, aussi pour la personne qui était en quarantaine, qui était bannie, que personne ne s'approche de lui. Et finalement, il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, il n'avait pas le droit de laver son linge. Il devait rester avec des odeurs de transpiration en plus. Et puis, finalement, si il commence à se plier et à repartir voir le Rav pour lui dire j'accepte les conditions que vous me posez, eh bien le Chacham il va lui permettre pendant Chol HaMoed, même si c'est Chol HaMoed, après il pourra se couper les cheveux tout de suite. Vechen Mishenishal le Chacham Votar, et c'est pour celui qui avait fait le néder de ne pas se couper les cheveux et de ne pas lever son singe, et que finalement le Chacham va lui trouver une permission pour son néder, donc idem aussi, il pourra lever le singe. Et là maintenant on a des nouveaux cas de figure qu'on n'a pas évoqués dans la mission précédente, parce qu'il n'y avait pas lieu. Mais là, on va évoquer des cas de choses qu'on a le droit de laver en toutes circonstances. En deux mots, les habits proches de la peau qui sont très salissants. Ça peut impliquer des serviettes, toutes sortes de serviettes comme ce qu'on va voir tout de suite, et aussi les habits, les dessous. Alors on a mitpechot ayadaim, les mitpechot, les serviettes des mains, ou mitpechot aksaparim, et les serviettes des coiffeurs qui mettent là derrière tout autour de la terre pour ne pas que les poils tombent dans le corps. Et bien, et encore mitpechot asfag, aussi les, tout simplement, les serviettes avec lesquelles on s'essuie, sofeg, on éponge. Donc, dans tous ces cas de figure, ce sont des choses que Ramim n'ont pas fait de décret d'interdit de laver. Les mitpechot, parce que il y en a, on en a toujours besoin, c'est des choses qui sont constamment sales, de là aussi, c'est des dieux aussi, pour tout ce qui est très proche de la peau, qu'on a le droit de les laver pendant Chol HaMoed, si c'est nécessaire, c'est rapporté ici, dans le partenariat que je l'ai vu tout à l'heure. D'accord? Si c'est rapporté dans le porté noir, dans Vechol Olin Mitouma Letara, il disait. La Flo Mechoubassimer Varegel, Mitinofet, Miyad, Vetzachim Kibus, Betocharegel. Ok, donc ça, on est avec les serviettes, ce sont des choses qui salissent tout de suite, on a le droit de les relaver tout de suite aussi, on n'a pas sans condition. Et aussi, on a Mitpechot Asvag aussi, donc les serviettes pour le corps, corporel. Et voilà. Maintenant, une petite précision importante, pour les, tu dis les serviettes des coiffeurs. Les coiffeurs vont falloir travailler pendant 3 mois. Si tu parles que ça vient d'avoir la moelle, il n'avait qu'à laver sa serviette avant la moelle, qu'est-ce qui se plaint? En fait, il nous rapporte ici le Bartenoir, c'est en rapport avec la mission précédente, qu'on parle qu'il y a des gens qui ont le droit de se couper les cheveux à la moelle.
Donc si toi, coiffeur, tu as coupé les cheveux, une personne qui a le droit de se couper les cheveux, tu peux ensuite même laver tes serviettes. Idem aussi pour le Azavin Vechol. Azavin Vazavot Vanidot Vealdosh. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas le dire, on préfère le sauter parce que le partenaire ne le rapporte pas. Vechol Aolin Mitouma Letahara. Et idem aussi pour tous ceux qui montent de leur impureté à la pureté. Soit parce qu'il y a marqué dans plein d'endroits dans la Torah, quand tu vas te purifier, il faudra se laver les vêtements. Laver les vêtements, ça implique qu'il a été trempé dans le migvé. Et bien, la Mishnah me dit, ben, tu auras le droit aussi de le tremper au migvé pendant Chol Hamoed. Tu auras le droit de le tremper au migvé pendant Chol Hamoed. D'accord? Et, ouais. Donc, celui qui était impur, qui va vouloir se purifier, il a le droit de purifier ses vêtements. Donc, tout cela, Arel ou Moutarine, ils ont le droit de se laver le linge à Chol Hamoed. Ouchar, quand la dame a sourire, tandis que tous ceux qui rentrent dans ces considérations qu'on a évoquées, eh bien, il n'aura plus le droit de se laver, de laver son linge à Chol Hamoed. Le partenaire apporte encore une seule exception, c'est celui qui a un seul vêtement. Celui qui a un seul vêtement, parce que là, dans ce cas-là, quand il va descendre à la rivière pour commencer à enlever sa chemise et la laver, et qu'il va se mettre juste un truc autour de lui pour rester histoire d'être un peu couvert, tout le monde va voir, tout le monde va comprendre qu'en fait, c'est un pauvre qui n'a pas de vêtements. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est en train de laver, c'est pas qu'il est en train de transgresser Chol Hamoed. Donc, on va lui permettre à lui de laver son linge quand il n'a qu'un seul vêtement. Ok ? Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine. C'est la raconte, tout, c'est là.